tous. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai des petits problèmes avec mes messeurs. Elles se sauvent encore une fois. Alors je devais faire une vidéo air de chasse et compagnie. Je vais tourner ensuite, après celle-ci, une deuxième vidéo pour expliquer un peu où ça en est, mes projets, tout ça. Là n'est pas la question. En fait, elles ont trouvé un accès pour s'échapper. En ce moment, là dans la pièce, il fait exactement 18,5 degrés. Donc en fait, elles sont rentrées un petit peu en repos hivernal. Donc en fait, il n'y a plus aucune activité, il n'y a rien à observer. Dans l'air de chasse, il n'y a pas grand monde. Donc en fait, elles se sauvent, mais du fait de ce mini repos hivernal, on va dire, elles ne vont pas très loin. Bon là, il y en a à côté de moi qui se baladent sur le bureau. Donc, comme je disais au début, je ne comptais pas faire de vidéo sur les messeurs. Enfin, je comptais pas faire de vidéo tout court en ce moment. Sauf que bon, là, je me suis dit, ça peut être intéressant de vous montrer ça. Donc, on va essayer de réparer tout ce bordel. Il va falloir changer, à mon avis, le tube de liaison entre les deux nids. Donc, on va regarder ça ensemble de plus près. Et on verra ce qui va se passer. Donc en fait, je pense qu'elles ont bouffé le tube de liaison qu'il y a entre les nids. Entre les deux nids là, parce qu'il y a beaucoup de fourmis en dessous. Donc il va falloir que je décolle ces deux parties là, que je change le tube, et que je remette le nid. Et rien que d'y penser, ça me fout les boules. Je vais prendre le morceau de tuyau que j'avais là. Parce que quand on regarde le tuyau qu'il y avait dans ce nid, ici, ils l'ont bien grignoté. Hein. Bon bah c'est parti. Là c'est la partie la plus critique. C'est quoi ça? Okay. Bon. Alors déjà, je vais prendre un petit bout de tuyau. Parce que quand je vais décaler cette partie du nid, je vais boucher déjà pour éviter la catastrophe. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, il fait frais, là dans la pièce en ce moment il fait frais, donc en fait elles sont en diapause, donc elles sont pas très actives. Donc ça va bien m'arranger pour changer le tuyau. Sachant que le seul accès qu'il y a entre les nids c'est ici, donc toutes les ouvrières passent forcément par là. Donc ça c'est plus embêtant. Allez c'est parti. Ah puis il y en a en dessous évidemment. Ah. Laissez-moi tranquille. Hop. Ah oui putain d'accord, ok. Voilà, on bouche. On va boucher là. Excusez-moi mesdames, je passe un tuyau. Tac. Et voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à ramasser toutes les petites évadées. Ça va, il n'y en a pas non plus des tonnes quoi. D'ailleurs, je pense que je vais en profiter pour nettoyer les abreuvoirs. Pas les abreuvoirs, les réservoirs d'eau, parce qu'ils sont un petit peu sales. Je vais en profiter pour les nettoyer. Bah, du coup, il y a du monde dans l'air de chasse, là, ça les a un petit peu énervés. Tu m'étonnes. Ah, il y a même du couvain. Étonnant. Étonnant. Je vais essayer de sauver les larves. Pas une petite pince, là. Larve, je sais pas si on la voit. Hop. Voilà, il y a l'air de plus y avoir grand monde. Ah si là. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Pourquoi t'es toute. Voilà, celle-là, je vais pas la remettre dans le. Qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, je préfère la tuer. Elle avait un petit peu un comportement bizarre. En même temps, faut rester au nid. Alors, je vais remettre un petit bout de tuyau ici pour pouvoir nettoyer le réservoir, comme je disais tout à l'heure. Alors, du tuyau, je vais utiliser celui-là déjà. Alors, celui-là est complètement bouffé. Complètement bouffé. Eh, mademoiselle! Hop, un petit bout pour ici, un bout pour là.
Bon, le réservoir qui est ici, j'ai pas besoin de le nettoyer, hein. Il n'y a jamais eu d'eau dedans. D'ailleurs, il y a des fourmis là. Il n'y a jamais eu d'eau dedans, donc il est propre. Ok, on sépare ces deux-là maintenant. Tac, bonjour. Excusez-moi. Et voilà. C'est la première fois, depuis qu'elles sont dans ces nids, que je les déplace comme ça. Que je les défais. Ah ouais, complètement bouffé ce tuyau. D'accord, ok. En fait, voilà, je viens de découvrir un truc, c'est qu'elles bouffent les tuyaux en plastique. Alors, je m'en doutais un peu, mais à ce point-là, je savais pas quoi. Regardez ça. Voilà. Elles ont complètement attaqué le tuyau. Ah, les coquines. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Pas de panique. Oh, ce sont des choses qui arrivent, hein, quand on élève des fourmis. Hein, elles se sauvent parfois. Ça. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont cheloues. Regardez ça. Il lui manque une patte. Bah, elle, c'est pareil. Allez, un sacrifice. Le bien de la colonie. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Attention, là, ça va être la surprise. La bonne ou la mauvaise surprise, on dirait. D'accord, mauvaise surprise. Ok. Bah, du coup, ouais, super pratique pour les observer, ça. On va le poser là. Pour l'instant, il y a de la fourmi qui se balade. Alors, j'avais bien vu, hein, qu'il y en a qui se sauvaient un petit peu, mais j'avais pas vu que c'était à ce point-là quand même. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, il est sec son réservoir. Pourtant, le nid est encore humide. On va essayer de vider ça comme ça. Ça, c'est bon. Ok, bon, bah du coup, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Hein. Juste le remplir d'eau. J'aurais peut-être dû le remplir après. J'ai pas réfléchi. C'est pas la première fois. Ensuite, on va faire la même opération de ce côté-là. Hop, juste. Merde, faut du coton comme ça. Hop, on n'oublie pas de fermer l'air de chasse avec du coton également. Ensuite. Oh là là! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez-moi ça. Des fourmis qui font du radeau. D'accord. Ok. Foutre ça là. On va mettre ça là. Les pauvres. Ah bah oui, faut pas sortir du nid. Hey, y a tout ce qu'il faut dans l'air de chasse, hein. Pas besoin d'aller voir plus loin. Mais voilà. Donc on va remettre ça là. Comme ça. Voilà, parfait. On va la relier. Le relier à l'air de chasse. Mettre délicat. Elles ont pas trop bouffé le tube de liaison nid air de chasse. Par contre, elles ont énormément bouffé les autres. Alors, est-ce que on peut en déduire quelque chose de particulier? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est comme ça. On va relier ces deux-là. Donc, je vais laisser ce morceau de tube ici. Ok, on enlève ça. Alors, on enlève le coton. Oui, je sais, vous n'êtes pas contente. Hop, ça, je le fous. Aïe, aïe, aïe! Vous barrez pas comme ça! Ah, c'est pas vrai. Ah, puis elles me mordent. Ah bah oui, ils sont pas contentes. La première fois que j'avais relié les nids avec un tuyau, je m'étais arrangé pour que le tuyau fasse exactement la taille, entre deux. Donc en fait, on voyait pas le tuyau. Bon bah là, le tuyau est un peu long. Mais c'est pas grave du tout. En gros, avant, le tuyau était coupé de façon à ce que les nids se touchent.
Là, il y a un petit décalage. Bon, moi, c'est pas grave. Hein. On va pas chipoter. Ensuite. Hop. Je vous remarque qu'il est pas stable, celui-là. Peut-être un défaut de fabrication. Je sais pas. Ce nid est pas stable. Les autres sont stables. Voilà. Ils attendent à passer avec le couvain là. Mais non, bah attendez 2 minutes. Oh là 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 là. Voilà, parfait. Nickel. Et voilà, normalement, on est bon. C'est bon, tout est réglé. Encore une histoire qui finit bien. Je devrais plus avoir de messeurs qui se promènent sur le bureau ou par terre. Donc c'est parfait. En ce qui concerne la future aire de chasse des Messeurs, c'est toujours en projet. Je fais une vidéo tout de suite après pour vous en parler. A bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!